Aujourd'hui, on va faire un petit euh, récapitulatif workshop hein, comme on avait prévu de faire. Euh, Giorgio Rameau est avec moi donc sur le Zoom. On va, on va le faire ensemble. Hein. Giorgio, si tu oui, veux, c est, c est. Euh, voilà, si tu, y tu y veux toi. rajouter des choses, n'hésite pas. Hein. Euh, ça marche. Donc euh, alors, aujourd'hui, on va voir un peu, euh, c'était surtout le protocole hybride, mais surtout comment euh, les premiers pas en fait. Hein, avec tout Access et tout ça. Ok donc, je pense que hop, vous avez tous été ici sur la page dans toutaccess.io. Hein? Tout le monde là, je pense que vous avez déjà euh, fait ça, mais on va le voir encore ensemble pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ok, les amis. Donc, euh, ça, c'est le portail d'accès, en fait. Si vous regardez ici, de hein, access.io. Ok Ça, c'est le site de euh, l'accès. En fait. Vous, euh, vous enregistrer donc depuis Saphir vers toutaccess.io. Hein. Vous savez que il y a une procédure à suivre en faisant le password euh, oublié. Alors, il y en a certains pour l'instant hein, qui me disent qu'ils n'ont pas reçu le mail ou ils n'ont pas reçu le petit code que l'on reçoit par mail. Effectivement, hein, il y a une. Euh, et jean jo avait fait une vidéo, je crois, là-dessus. Il y avait un petit code à à avoir euh, pour la, comment on appelle ça, pour euh, le OTP, hein, on appelle ça, hein c'est bon. Euh, ouais, Giorgio, vas-y. Tu, dis, tu disais, Giorgio Ouais, si tu veux, je peux prendre le relais, toi. Vas-y, euh... vas vas-y, 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 pour cette partie, vas-y alors. Ça cool. marche. Tu veux partager après, ton écran partie... ou tu veux que je partage ouais. le mien Ouais, ouais, je vais, je vais partager mon écran. Et Allez, pour la partie euh, plus détaillée, tu sais, sur euh, l'actif le, le, dans, ouais. dans le back-office pour, pour le minting, tu, tu pourras expliquer cette partie-là. Ok, partie -là. je pourrais montrer, il n'y a pas de souci. Alors, je vais déjà aller sur euh, to access Je, oh, je croyais que un c'était une présentation, mais en fait non, c'est un workshop qu'on avait prévu aujourd'hui. Ouais, oui, c'est ça bon le truc. <laughs> Moi je pensais que c'était une thèse, tu vois. <laughs> Moi aussi. Et en fait, euh, je viens de revérifier re le, le planning. C'est un workshop. Donc c'est bon, les amis, si vous êtes prêts pour apprendre, euh, surtout les premiers les premiers pas, c'est bon, hein c'est good ça. De toute façon, si on enregistré on vous donnera la, la suite. Hein Alors. Juste un instant. Ok, voilà. Je vais pouvoir partager mon, mon écran. Good. Alors, pour tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien. Normalement, oui. Nickel. Pour tout le monde, normalement, vous avez euh, toujours votre back-office Sapphire qui est ouvert avec vos, vos actifs. Pour ceux qui en, qui en ont, non, il y en a certains qui ont peut-être euh, des I Love Sapphire il y en a peut-être certains qui ont des, de, des commissions ou euh, de la Vinoc euh, NFT et tout ça. Donc, ce pas un problème. Vous avez la possibilité maintenant de le transférer sur euh, l'application Nomo. Et vos commissions en euros que vous aviez l'habitude de retirer sur un wallet euh, externe, maintenant se retrouvent dans Eurocoin. Pour le moment, on n'a pas encore d'infos sur, sur comment on va pouvoir les, les échanger, mais je pense que ça, ça ne saurait tarder parce que, comme vous pouvez voir en bas, euh, en bas de la page toaccess.io, on a en Coming Soon un exchanger qui s'appelle Coinbay. Donc, peut-être. On, on, voilà, c'est une supposition. Peut-être que l'eurocoin sera listé sur Coinbase, d'accord Pour cette partie-là. Pour pouvoir euh, vous connecter à toaccess.io. une fois que vous allez arriver sur toaccess.io, je vais me déloguer comme ça, je pourrais vous montrer. Vous allez arriver sur cette page. Donc, il y en a certains euh, qui ont dû mettre leur username et leur mot de passe et ça fonctionne pas. Il y en a certains qui ont dû mettre pareil leur email et leur mot de passe, et ça fonctionne pas. Donc exactement le même email que pour Sapphir et le mot de passe, et ça marche pas. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur euh, Forget Password, vous renseignez l'email que vous aviez sur votre compte Sapphire et que vous avez toujours d'ailleurs, et vous cliquez sur euh, euh, Je suis un humain, Submit, et normalement, ça va vous mettre un petit catch-chat. Donc euh, le catch-chat, il n'est pas compliqué, vous avez quatre ours. Ben vous choisissez euh, l'objet qui est différent. Donc, euh, voilà, c'est le, le pot de plante, là. Vous le faites deux fois, d'accord Ici, c'est le clan Et vous faites euh, « Verify ». À partir du moment où vous faites « Verify », vous allez recevoir euh, un lien et aussi la possibilité de, de pouvoir modifier votre mot de passe. Donc, vous choisissez le mot de passe que vous voulez. Bien sûr, pensez à noter vos, vos mots de passe pour éviter de les perdre. Ne les laissez pas sur un fichier sur votre ordinateur ou, ou en capture d'écran, parce que si vous perdez votre téléphone... Où votre ordinateur euh, euh, a un problème ou crame, eh bien au moins ça vous permet d'avoir vos, vos informations sur un sur un bloc neutre ou autre. Une fois que vous avez fait cette modification là, eh bien, vous allez venir ici pour vous connecter normalement avec votre euh, votre email donc l'email l'email que vous aviez chez chez d'accord, et le nouveau mot de passe que vous avez euh, que vous avez renseigné pour euh, pour pouvoir faire un reset. Alors, arrobasegmail.com. Voilà. Voilà, donc là, je vais me bloquer. Pour les nouveaux qui n'ont pas encore pu euh, le faire, normalement, lorsque vous allez arriver ici, sur cette page, automatiquement, on va vous demander de scanner euh, un QR code avec euh, le Google Authentificator. Donc, vous pourrez paramétrer euh, votre Google Authenticator. Vous scannez juste euh, le QR code, ou si vous êtes depuis votre téléphone portable, eh bien, vous, allez dans... vous, vous allez copier la clé qu'ils vont, qu vont vous donner. Donc, la clé, elle n'est pas visible. Vous copiez-coller la clé qu'ils vont vous donner et vous allez la rentrer sur euh, Google Authentificator. Donc, quand vous allez sur Google Authenticator, je ne vais pas pouvoir vous partager, mais. Tout le monde a déjà utilisé cette application-là. En bas à droite de l'application, vous avez un petit plus. Et lorsque vous allez arriver sur le petit plus, vous cliquez sur saisir clé de configuration. Donc lorsque vous allez mettre saisir clé de configuration, ben, vous, on va vous demander de mettre le nom du compte. Donc vous mettez euh, toaccess.io ou ce que vous voulez, tant que vous pouviez savoir, pouvez savoir en fait, à quoi correspond cette clé. Vous copiez-collez la clé qu'on vous a donnée qui sera affichée ici, d'accord Et vous laissez baser sur l'heure. Ça va être basé sur l'heure de votre, de votre téléphone portable en fonction de votre fuseau horaire. Et là, vous cliquez sur « Ajouter ». À partir du moment où vous allez cliquer sur « Ajouter », vous aurez le Google Authentificator de, de toaccess.io qui va s'afficher. Avec la jauge bleue, vous savez, qui tourne. Donc, ça vous donne un délai euh, avec un code qui change à la fin de ce délai. Eh bien, vous attendez que la jauge soit complètement bleue. Et là, vous copiez les, les six chiffres. Donc là, je vais, je vais le faire juste ici. Voilà. Et là, vous allez arriver sur toaccess.io. Et pour les nouveaux, avant d'arriver ici, on va vous demander si c'est un compte personnel ou si c'est un compte de, de société. Donc, vous choisissez compte personnel. Une fois que vous allez choisir compte personnel, on va vous demander de cocher... Euh, la case de, euh, de, de de clause de confidentialité etc toutes ces choses là d'accord les accords euh, et, etc et vous cochez ça et vous faites suivant à partir du moment où vous allez faire suivant vous allez arriver ici quand vous arrivez ici d'accord vous avez un petit i avec information ici sur ce petit i on va vous dire toutes les étapes que vous devez faire donc moi je vais vous les expliquer tout de suite première étape vous allez vous rendre dans profil arrivé sur profil, c'est normal, les informations personnelles vous pouvez pas les mettre. En fait, elles seront mises automatiquement lorsqu'on va faire le KYC. Donc le KYC n'est pas encore disponible. Ici sur edit, vous allez cliquer sur edit, vous allez pouvoir renseigner votre pays, d'accord, votre ville, votre code postal, votre adresse et votre numéro de téléphone. Une fois que vous avez renseigné tout ça, vous cliquez sur save. Une fois que vous avez cliqué sur save, c'est fait. Email, vous n'avez rien à toucher parce que l'email il est déjà renseigné, d'accord. C'est votre email de Saphir que vous avez ici. Password, c'est si vous avez envie de modifier votre mot de passe, d'accord. KYC, ce n'est pas encore disponible. Dans sécurité, euh, je ne vais pas le partager parce que du coup j'ai des clés qui sont confidentielles. D'ailleurs, ne partagez jamais ces clés. Vous allez voir, j'ai mis un, un petit message toi. Si tu veux, tu pourras récupérer le. Le, oui. le message que j'ai mis par rapport à ça pour le partager aussi euh, sur le groupe, cette page-là, vous ne la montrez jamais ni en capture d'écran ni quoi que ce soit. Parce que vous avez une clé cryptée et cette clé cryptée, en fait, elle est utile pour les retraits. Il faut savoir que même Zera n'a pas accès à votre portefeuille de commission euh, que vous avez dans votre back-office. Ça veut dire que si vous ne notez pas cette clé et que vous la perdez, même la société ne peut, pas vous, ne, ne peut pas vous la récupérer. Donc, je ne sais pas que, comment ils vont s'organiser pour, euh, pour débloquer ce genre de situation-là. Mais bon, ça va, ça va faire en sorte que vous devriez vous contacter le support, etc. Et ça va, ça va être un truc euh, assez phénoménal pour vous et durable. Donc, ça va vous bloquer dans votre travail, dans vos demandes de retrait, etc. Et c'est pas le but. Donc, prenez le temps de noter. Euh, les clés que vous allez renseigner, d'accord, ça ne prend pas longtemps et de garder ce bout de papier là dans une boîte dans un endroit où vous savez que ça ne va pas bouger. Voilà. Ensuite, notifications, c'est en fonction des préférences de chacun. Voilà. Euh, ici, lorsqu'il y a des nouvelles de la société, soyez le premier à informer des mises à jour. Vous pouvez l'activer pour, euh, pour pouvoir avoir un email. Euh, L'activité du compte, je l'ai désactivé parce que j'ai pas envie de recevoir des emails à chaque mouvement que je fais sur mon back office. Et les activités de connexion automatiquement, elles sont, elles sont renseignées. Voilà. Ça, c'est une question de, de sécurité. Vous avez toutes les informations là-dessus. Appareil récent. Ici, si ça vous permet de savoir. D'accord On ne va pas dire que c'est super important, mais c'est important de le savoir quand même. Ça vous permet de savoir est-ce qu'il y a eu une connexion sur votre compte, quand, où et à quel endroit. D'accord Donc, euh, si vous voyez que, par exemple, il y a une ville qui est différente ou un truc comme ça, vous ne vous posez pas de questions. Ça peut être à cause des opérateurs euh, Internet. Parce que c'est des réseaux, d'accord Et, et ça, peut, ça peut modifier la vie. Moi, je suis à, par exemple, je suis à Clermont-Ferrand. Ici, ils m'ont mis Lyon. Et ensuite, ils m'ont mis des villes que je ne connais même pas. Voilà. Bref. En tout cas, je sais que c'est moi qui me suis connecté sur mon compte parce que mon compte est sécurisé et il y a un Google Authenticator dessus. Le soutien, bien sûr, ben, c'est le support. Donc, vous pouvez avoir accès au support pour créer vos, vos tickets. Donc, lorsque vous cliquez sur « Submit ticket », vous allez avoir des choix. Vous allez avoir Account Management, Partner, partner euh, Platform Logging, Vérification, euh, General Query et euh, Compte Hacké. Voilà ce qu'ils qu vous propose Donc, c'est à vous de choisir en fonction de, de votre demande. On va revenir sur la page principale de To Access. Chose importante aussi, vous devez mettre une photo. La photo, euh, évitez les, les photos... Euh, avec les téléphones que avec les téléphones Apple si vous avez pris des photos avec votre Apple parce que euh, la taille du fichier vu que c'est en haute définition avec... les 1 mo Euh, Sergio, je crois qu'on te perd des fois. Ouais, je crois qu'on l'a perdu. <laughs> Il va revenir, les amis. J'avais un petit problème de, ah, de connexion. Ah, t'es là. Ça y est, vas-y. Je crois qu'on ne m'entendait plus, ça m'a même déconnecté, tu vois. Donc euh... <laughs> ouais, ouais. Alors. Donc là, j'aurais plus ce problème-là parce que demain, je récupère la box et j'ai ma box qui a cramé, en fait, et là, j'utilise la 4G de mon téléphone. Ah, <laughs> tu vois ouais, c'est pour ça. Voilà. Je ne sais pas si on a entendu avant que ça coupe. Allô euh, on, a vu, on a entendu jusqu'à... Euh, tu as expliqué pour le, les villes qui changeaient, euh, tu sais. Ah oui, d'accord, voilà, parfait. Les adresses, euh, euh... Ça, c'est embêtant par contre, attendez. On peut enlever le, la traduction qui est juste en dessous, tu sais, en... Ah, pardon, Ouais oui, oui, ça me gêne. En en qui fait, de demander la, la traduction sous titre. Attends, attends, attends. Ouais, je vais l'enlever ça. Et là, ça y est Non, parce que j'arrive pas à cliquer sur, euh, sur Skip. Attends, je vais réessayer. Ne bouge pas, laisse. Ouais. Que ça fonctionne, non. Je vais la déplacer, voilà, c'est bon, c'est possible. Je peux la déplacer, bon laisse comme ça. Ok. okay. Ouais, ouais, ouais. Donc je me reconnecte, c'est bon, bon j'ai pas eu besoin de mettre. Euh... Ils l'ont compté comme une déconnexion, bon, très bien. Donc voilà. Euh... On m'entend toujours, j'espère. Ah ouais, c'est bon, je... Ok, j'ai eu peur. Donc voilà, au niveau de, des appareils récents, et ça vous permet de savoir en fait euh, dans quelle ville il y a déjà eu une connexion. Mais si votre compte est sécurisé avec le 2FA normalement vous inquiétez pas si vous voyez une autre ville euh, ou quoi que ce soit. C'est par rapport aux opérateurs. Voilà, on état à soutien ensuite. Sur la page soutien, vous pouvez effectuer une demande de ticket si vous avez un problème. D'accord Donc, que ce soit, euh, on va traduire, gestion du compte, connexion aux plateformes partenaires, la vérification, une requête générale ou si vous avez un compte piraté. Pour le moment, voici les options que vous avez si vous avez un, un problème et que vous voulez communiquer avec le support. Voilà pour cette partie-là. La photo, c'est important. D'accord Mettez une photo, ça permet aussi à votre, à votre plan de pouvoir avoir un visuel sur, sur le réseau, qui est qui, etc. Même si ce n'est pas une photo de vous, mais au moins une photo qui va servir aussi de point de repère, surtout quand on a un réseau qui est, qui est, qui est, qui est immense, eh bien, ça permet aussi d'avoir des repères sur le réseau pour savoir où on va, quand on, on bouge, et savoir aussi qui, qui, on, qui on a en fait dans notre équipe aussi qui qui a pu mettre sa photo parce que je pense que c'est important, c'est mieux que d'avoir un, un, une généalogie où vous voyez que des, que des bonhommes, euh, une silhouette de bonhomme où c'est complètement vide en fait. C'est plus agréable. Voilà pour ça. Ensuite, une fois que vous arrivez sur toutaccess.io vous avez trois euh, plateformes d'accord sur lesquelles vous allez avoir accès. Vous avez Xera, vous avez k et vous avez Kmall. Vous choisissez d'aller où vous voulez au début, d'accord, peu importe. Vous allez par exemple aller sur Xera, vous allez cliquer sur Enroll, et ensuite recliquer sur Login. Ça va vous permet de vous connecter. Donc, on va attendre que ça se connecte. Oui. Voilà. J'ai une question, en fait. C'est euh, dans l'onglet sécurité, là, il demande une clé cryptée. Ouais. C'est toi qui crée la clé cryptée ou c'est eux qui te la créent alors, c'est toi qui crée le code. Donc, c'est un code que tu tapes. Un mot de passe Voilà, comme un mot de passe, en fait. Ouais. Et en fait, ça devient une clé cryptée. Donc, ce qu'il faut garder, c'est le, le mot de passe pour moi. Parce que la clé cryptée, dans tous les cas, elle sera créée. Ok. D'accord Donc, tu tapes un, un, comme un mot de passe. Tu le notes. Deux fois, c'est ça Tu le tapes deux fois Non. De passe, la, non la, la première, c'est une clé euh, cryptée. Et le deuxième, c'est autre chose. Je ne sais pas à quoi ça sert encore. Même okay. la clé cryptée, je ne sais pas. Je pense que ça va servir pour les okay. transactions. Mais dans tous les cas, il faut faire les deux et les noter. Ça marche. D'accord OK, merci. Arrivé sur votre back-office Zera, normalement, vous allez voir euh, tous les points de volume que vous aviez sur, euh, sur, euh, sur Saphir. Votre chiffre d'affaires, votre volume, euh, le nombre de niveaux, etc. Vous avez tout ce qui, tout, tout, tout qui est visible. Votre, votre pourcentage avant de passer au rang suivant, etc. Dans, dans Community, vous avez aussi le nombre d'utilisateurs que vous avez dans tout votre réseau, en partant de vous, avec euh, les volumes de points, le volume sur votre première ligne, euh, le nombre de personnes euh, pro ou euh, chef pro, etc., que vous avez dans, dans votre réseau, ambassadeur, etc. Vous pouvez savoir combien d'utilisateurs du, est qualifié euh, senior ambassadeur ou autre dans votre réseau. Donc, ça vous permet de voir ça. Ici, vous allez avoir la visibilité sur votre structure, vous voyez. Donc, moi, comme j'ai mis ma photo, eh bien, on, on peut, par exemple, mon parrain peut savoir que c'est moi par rapport à mon pseudo et puis euh, ma photo. Donc, ça permet aussi d'avoir une visibilité sur son réseau. Donc, vous pouvez manipuler la, de la même façon qu'on avait la possibilité de le faire sur Sapphire, D'accord Pour avoir des informations sur votre online, bah, vous cliquez sur View Builder Report. Et là, ça va vous afficher euh, le pseudo de votre partenaire, si son KYC a été fait et à quelle date, euh, et son adresse email. Voilà. Donc, ça vous permet de pouvoir communiquer avec cette personne-là de votre réseau. Si, si cette personne-là, vous voyez qu'elle n'est pas active, euh, elle ne sait pas trop comment faire, etc., ben vous pouvez contacter vos, vos downlines. Voilà pour cette partie-là. Référol. Sur cette partie-là, vous avez votre lien de parrainage que vous pouvez copier directement intégralement au complet ici. Ou si quelqu'un, par exemple, ça, se va sur toaccess.io, eh bien, il peut aussi récupérer votre référal ID. Ici, vous avez euh, donc total KPI euh, conversion. Ça, euh, je ne sais pas ce que c'est. KYC approuvé. Ben, forcément, il y a personne encore, donc on ne peut pas savoir. Euh, première ligne referral count, il y en a deux et euh, on peut savoir aussi combien de licences, combien de du coup de d'achat de licences a été fait dans notre réseau, d'accord. Le, les partenaires euh, directs qui se sont inscrits euh, euh, il n'y a pas longtemps ou récemment, vous allez pouvoir les voir ici. très Ferrol. vous pouvez voir les rangs, euh, Orview, rank, Donc vous pouvez voir vos rangs ici, d'accord, sur euh, rank Orview, hall vous avez accès à ça aussi pour savoir combien de points de volume il faut, etc., pour passer les rangs suivants. Bon, j'en passe. Les commissions, wallet, tout ça. Donc, je pense que vous avez déjà vu, voir vous avez déjà dû voir tout ça. Tout ce qui est euh, financier, ben, vous allez pouvoir avoir la visibilité sur vos commissions ici, mais tout ce qui est retrait et transaction ne se passe ne se passe pas ici. D'accord Donc, vous allez quitter Zera et vous allez aller sur Kmall. On se connecte à Kmall. Hey Sergio, oui une toi. question. Là, des fois, quand tu te connectes à k enfin pour les premières fois, il te demande Wallet euh, Access Key. Tu as eu ça aussi Ouais, justement, c'est ça. C'est ça la clé cryptée. Ok. Ah, c'est ça. Ok. Donc ouais, tu dois faire ça, euh, cocher les trois cases et après, il te demande de mettre un mot de passe. Deux enfin, fois. Deux fois. Ça. Ouais. Eh bien, c'est ça, la clé cryptée. Et en fait, cette clé-là, okay. il faut surtout pas la perdre. D'accord. En fait, c'est le code. Tu, le, tu, codes le, tu, tu notes le code. Mais en fait, une fois que tu vas le faire, ils vont générer mm -hmm. une clé qui va se retrouver dans to Access, dans la partie sécurité. Ok. Et tu le verras de toute, fa de toute façon. Pareil okay. pour les personnes qui... Euh, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas encore acheté leur... Euh, leur, leur adhésion. On ne va pas appeler ça une licence, mais plutôt une adhésion, c'est une adhésion annuelle de 39 euros. Pour pouvoir euh, régler cette adhésion-là, vous allez aller sur My Wallet, vous allez cliquer sur Top Up, arriver sur la page Top Up, vous choisissez USTT, de toute façon, il n'y a que ça qui est disponible pour le moment, vous avez ERC20 et TRC20. Moi, je vous recommande d'utiliser TRC20 parce que ERC20, c'est sur la blockchain. Euh, Ethereum et les frais de transaction seront beaucoup plus élevés. Ici, ne vous inquiétez pas, c'est juste une calculatrice. Par exemple, si vous mettez 50, 50 dollars, vous savez que 50 dollars, ça fait 46,35 euros. Ça vous permet juste de savoir en temps réel quelle est la valeur du de l'euro par rapport au dollar et vice versa. Dans tous les cas, vous savez que vous, avez, vous êtes sur le réseau TRC20 et qu'on est en USDT vous copiez-collez cette adresse, donc c'est une adresse que, qui est unique, que chacun a euh, dans son back-office et qui est personnelle et propre à vous, et bien à partir du moment où vous allez envoyer les USDT euh, TRC20 ici, et bien ils vont apparaître, euh, une fois que la transaction sera effectuée, dans Top-up History, juste ici. Et une fois que l'argent est arrivé, vous recliquez sur Dashboard, et normalement, si vous n'avez pas encore pris l'adhésion, automatiquement vous avez une, euh, un pop-up qui va apparaître, avec la proposition de, de prendre l'adhésion. Ou si ça n'apparaît pas, le pop-up, vous allez voir que cette partie du back-office, ben, vous allez avoir euh, euh, du coup, un, un, un slide avec écrit euh, de enfin, voilà, en vous disant de prendre l'adhésion pour avoir euh, accès à, à Keymall. Donc vous cliquez sur le bouton pour pouvoir prendre l'adhésion et vous cliquez sur Payer. Une fois que vous allez cliquer sur Payer, automatiquement ils vont débiter euh, les euros. Les 39 euros que vous avez crédité sur votre solde et ce qui reste, ben vous le verrez ici. Par exemple, moi, je sais qu'il me reste 3,69 euros. Voilà, c'était par rapport à ce que j'avais transféré pour prendre l'adhésion. Une fois que vous avez pris l'adhésion, et là, il faut savoir qu'actuellement, comme Toa l'a dit tout à l'heure, pour les personnes qui prennent leur adhésion, vous avez une licence offerte d'une valeur de 110 euros. Donc, c'est le moment de la prendre parce qu'il ne il doit pas en rester beaucoup et je pense que ça va partir rapidement. D'accord Parce qu'ils ne vont pas offrir des machines à 110 à euros, à, forcément à 2,2 à millions de personnes. 10 000, <laughs> je pense 10 pas. 000. Ouais, 10, 000 à 10 000. 10 000 comptes seulement auront la possibilité. Quand vous allez sur C-Hall, voilà, vous voyez, il y a écrit Licence. Quand vous allez sur C-Hall, vous, vous allez avoir écrit CLFI, inactive, etc. Donc Pour le moment, ce n'est pas actif. Quand on va nous, nous expliquer, nous, nous dire comment faire, nous expliquer com comment faire, on va pouvoir acheter du coup des, des CLFI sur l'exchange, d'accord, en MATIC de préférence, pas toi, toi comme tu m'avais expliqué, et pouvoir les transférer sur euh, euh, notre, notre machine hein, à travers notre licence pour pouvoir minter pour pouvoir faire euh, du staking. Okay voilà comment ça va se passer. Donc on va avoir la possibilité aussi de de choisir euh, je ne sais plus où j'avais vu ça mais on aura la possibilité de choisir sur combien de temps quel, combien de temps on a envie de, de laisser nos, nos actifs euh, travailler etc d'accord donc tout ça on aura le temps de voir les informations il y aura sûrement des vidéos à propos de ça comment ça fonctionne ouais. et tout 12 mois 24 mois et je crois euh, 3, et ans. An, 3 ans et un an trois ans ouais, un an deux ans trois ans voilà ensuite dans le shop la partie shop bon, ça peut ça bug un peu hein. mais du temps à charger Hop. tu m'entends toujours toi oui oui ok je vais attendre que ça charge parce que là pas top mais bon ça va le faire et bien sûr dans le shop même si ça ça charge je vais vous le dire parce que je le sais dans le shop eh bien, on a les produits qui sont en coming soon qui ne sont pas encore disponibles, ils sont en train de travailler de, dessus. Donc vous avez le, le téléphone portable, vous avez euh, les licences, vous avez aussi euh, les, les produits. Hein, recevoir. George, à partir du 13, excuse-moi. D'accord. Euh, les produits. Bah, C'est top. C'est ça à partir du 13. Ouais. Ensuite, la partie game voilà, comme ça, tout le monde, euh, toutes les personnes qui étaient inquiètes pour leur machine vous allez vous rendre compte que tous les hubs que vous, achetez, vous avez achetés sont, euh, sont ici d'accord vous voyez donc là j'ai mes j'ai mes Desert Pearl j'ai euh, mes mes j'ai mes no More, euh, mes vous mes hubs euh City, des drones Regardless, tout tout se retrouve ici en fait vous avez la visibilité sur la puissance de, de Menting euh, vos actifs etc et bien sûr automatiquement ils ont transféré sans que vous ayez besoin de, de le faire, eh bien, votre NOMO est automatiquement connecté euh, lorsque vous arrivez sur euh, k -Mainting. Donc, tous vos actifs sont ici. Transactions, eh bien, ça se trouve euh, sur la partie transaction. transactions. Vous avez la possibilité de retirer votre Pan Token en ZEN20 sur votre euh, application NOMO et vos ZENI coins de la même manière. Donc, vous choisissez le Minter sur lequel vous voulez retirer et vous transférez vos ZENI coins sur, euh, sur l'application NOMO. C'est aussi simple que ça. Donc, ils ont fait vraiment un travail euh, énorme. Il hein. n'y a rien à dire. Le back-office est propre. C'est carré. Comme je vous ai dit, on a Kwamei qui, qui est en coming soon. On va retourner sur Kaimol un petit peu pour, euh, pour voir les, la partie shop. Voilà. Donc, euh, on aura la possibilité de payer avec nos toilettes et par carte. D'accord, Toa Moi, ce que je me suis rendu compte tout à l'heure, c'est qu'en faisant paiement par carte, en sélectionnant Paiement par carte et en allant sur euh, LK1, ouais. on arrive sur LK1, on fait Add, euh, même si c'est en coming soon, hein, on fait Add to Card et ça va se passer comme ça. Tu vois Product has been added to the card. On clique sur My Card et là ouais. on a euh, le produit avec le prix. On fait Continue Checkout, Continue Shopping et on va nous dire, écoutez bien, on va nous dire attention pour tout matériel commandé les frais d'expédition ne, ne, ne font pas partie du paiement les frais seront facturés avant l'expédition ah, ok je comprends ensuite, ouais, parce on que nous dit... chaque pays est différent avec différents shipping exact. voilà ensuite on nous dit attention nous nous excusons pour la gêne occasionnée, mais en raison de circonstances imprévues les livraisons minter devraient être retardées de 45 jours merci pour votre compréhension donc on vous prévient du délai que ça va prendre pour éviter que les gens s'inquiètent. « Oui, elle est où, ma machine Il est où, mon téléphone ?» Voilà. Mmh. Et on ouais. clique sur « OK, je comprends ». Ici, on va choisir le pays dans lequel on veut se faire livrer. Par exemple, si on va choisir euh, voilà, France. « Choisis France ». Voilà. Et ensuite, vous allez mettre votre prénom, votre nom de famille, votre euh, adresse, la, euh, la région, l'état, la ville, le code postal, votre numéro de téléphone. Donc, vous sélectionnez l'indicateur. « OK ». Et vous cliquez sur payer et après, ben, forcément, payer par carte, recommander, voilà, ou payer avec votre portefeuille, c'est vous qui décidez. Voilà comment ça va fonctionner. Donc c'est très, 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 très bien. Très, très bien fou, très, très bien fait. Il n'y a rien à dire. Cette partie-là, je pense que je vais te laisser un petit peu expliquer, toi. Ouais, parce ouais, qu'on en on okay. a discuté tout à l'heure. Oui, ça marche. Donc ça... Euh... Ça, c'est la partie, euh, en fait, où il y a le, le minting qui a commencé. Bon, moi, je l'ai essayé. Hein je l'ai essayé. Euh, mais avant tout, je vais juste revenir un peu sur la. Sur la... Attends, je vais partager mon écran, Giorgio. Je vais juste revenir sur la. La licence. La licence. Hein la licence cela on a la licence normalement euh, comme tu as dit quand tu vas sur Kmall, hein, mm -hmm. tout de suite après tu as un pop-up qui doit s'afficher normalement oui avec euh, il te demande d'acheter la licence hein. Tu n'es pas obligé c'est ça te, te, te demande voilà voilà c'est ça enfin, voilà exactement exactement ce pop là donc normalement vous allez avoir ça hein, pour ceux qui n'ont pas encore activé leur 39 euros c'est une licence que vous payez à l'année. Okay, C'est 39 euros par an. Euh, en plus de ça, euh, sont inclus à l'intérieur le KYC. Et normalement, comme il l'a dit, Jojo, pour les 10 000 premiers comptes, une licence gratuite, celle-là, là, la licence 110 à 110 euros. euros hein voilà. Donc, comme tu as dit exactement, là, tu peux la payer soit par carte. Soit en Eurocoin. Ah oui, info, c'est déjà, hein déjà disponible par carte. C'est déjà disponible par carte parce que j'ai une partenaire qui l'a utilisé. Elle a payé voilà. directement par carte bancaire tout à l'heure. C'est ça, tu peux payer par carte bancaire. Donc là, il te demande ton nom, ton prénom, ton prénom, ton nom, ton adresse, ton pays. Euh, bah, nous, c'est French Polynesia. Le truc, le truc, le mobile. Le mobile, c'est le téléphone, hein, 600, 689. Voilà. Hein votre téléphone une fois que vous avez fait ça vous faites save et normalement juste après vous pouvez payer avec la carte ok donc euh, je vais moi je vais essayer tiens on va faire en live hein. on va essayer si on peut si on peut le faire directement comme ça alors c'est 39 euros la licence hein. euh, donc je vais juste mettre mon nom top. Hop. voilà euh, l'adresse bah, je sais pas moi euh comme ça. State, Tahiti, City, PAPT encore, le zip code 716, là. Le téléphone. Hop, et je fais Save. Voyons donc si ça va marcher. C'est un test en live, les amis, on est en live. <rire> <rire> donc, euh... Voyons voir. Alors ça, c'est le billing avec l'IoTech. Oula, ouais, il y a tout un truc à remplir là. Ah, alors, on va y aller, hein, tranquille. Et du on coup, euh, ma, ma partenaire qui a fait le, son achat par carte m'a expliqué que lorsque ouais. c'est débité, eh bien, euh, on voit que c'est en AED. Voilà, ah, c'est débité en AED. en AED, donc sur la compagnie à Dubaï, alors. OK. Voilà, c'est ça. Eux, ils reçoivent en AED. D'accord. Alors, c'est. Et elle a été débitée instantanément oui, oui, le paiement, il se fait euh, il se paye tout de suite, par carte. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment. Donc, ça vraiment veut dire qu'ils ont une banque, si c'est ouais, en AED. Ça. Ils ont un merchant account, donc à Dubaï, en fait. Hein. C'est ça. Avec la banque. Mashreq sûrement. <laughs> Alors, French Polynesia, tout ça. Next screen. Alors, c'est en AED, ouais, 154 AED, hein, ce que je vois. Alors, on va essayer de voir est-ce que ça va marcher. Alors, moi, je paie ma WISE. Hein. Euh, use WISE app. Hop, on va essayer. On va voir. Oui. Alors, si on arrive après à revenir sur euh, Kmall avec le paiement validé, ça serait vraiment cool. Et eh bien, voilà. Et voilà, normalement, ça. ça y est, je suis actif. C'est magnifique. N'est-ce pas, les amis? <laughs> que du bonheur. Que du bonheur. Ceux qui veulent payer avec leur carte, ben voilà. Faites-vous plaisir. Et en fait, euh, donc ici, maintenant que j'ai ma, ma licence gratuite, normalement, j'ai ma licence gratuite. Elle devrait se retrouver par ici, quelque part, dans MyCloudK. Dans. Euh... Dans, dashboard, sinon, plutôt, dans le crois. dashboard, peut-être. Ouais. On va aller voir. Dans le dashboard, juste en dessous, licence. Encore Là, ici. Hein My licence, oui. Ok. Donc, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est de faire le top-up. Donc, top-up, ça veut dire quoi Je dois déposer des USDT qui deviennent automatiquement, une fois déposés, des EuroCA. Des USDT, on fait le top-up depuis, comme tu as expliqué, Georgio, là, ici, là. Hein donc, euh, on reste en USDT. On choisit, comme tu as dit, TSC 20 parce que c'est moins cher, c'est 1 dollar au niveau des frais. Vous envoyez le montant de euh, votre top-up. Alors, c'était important, très important maintenant de comprendre c'est que sur la licence, et je vais revenir vite fait sur le back-office, euh, sur le. Pardon sur le PowerPoint où il y a les licences. Vous vous rappelez le PowerPoint où il y a toutes les licences dessus Je vais vous ouais. montrer ça là maintenant et on va regarder un peu comment je peux et surtout combien d'eurocoins de, 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 de je peux charger sur cette licence. OK Alors, moi j'ai pris, enfin j'ai pris, on m'a donné, puisque je viens d'acheter euh, ma licence à 39 euros, on m'a donné cette licence à 110. La valeur de la licence, elle est à 110 euros. Hein. En fait, quand j'ai acheté euh, ma licence à 39, ce qu'ils m'ont donné, c'est un contrat, un contrat NFT euh, sous la forme d'un NFT pour un contrat de cette licence. C'est-à-dire que je peux euh, minter ou staker. Moi, j'aime bien dire le mot plutôt staker parce qu'en fait, c'est un peu du staking plutôt hein. amène. Voilà, on amène des tokens à l'intérieur de XERA et on les met sur la machine. Et là, on fait des petits. OK Donc, c'est un peu comme la vinoc. On a acheté de la vinoc, on met sur le, en staking et ça part. Donc là, ici, il faut savoir une chose. C'est que sur cette petite licence, c'est la plus petite, c'est la moins chère, à 110 euros, vous allez pouvoir charger un maximum de 220 euros en token de base. Et 110 euros en token projet. Alors, token projet, c'est Sido, vous, Five Rings, Nomo et NRT. OK 110 euros en token projet. Vous pouvez mettre 50 euros de CD, 50 euros de Five Rings et 10 euros de NRT. C'est vous qui combinez comme vous voulez. Mais au total, vous ne pouvez pas dépasser 110 euros de token projet sur cette petite licence, elle ne peut pas accueillir plus que ça. Elle ne peut pas euh, recevoir plus que ça. Hein, parce que c'est clair ça. La deuxième chose, c'est les tokens de base. Token de base, c'est quoi? Le token de base, c'est la fusion de Zenicoin et le CLFI. Le CLFI, c'est le token que nous mintons maintenant en token de base, on appelle ça le super token. Dans deux mois, la fusion Coin plus CLFI va se faire et on aura l'occasion d'appeler ça le super token et on va minter le super token, c'est-à-dire que tous vos Zenicon, vous allez pouvoir les staker, on va dire. Ok Donc là ici, sur cette petite licence, maximum que je peux mettre, c'est 220 euros de token de base. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là Ça veut dire quoi Donc si je reviens sur Kmol, Kmol ici, eh bien je vais envoyer bien sûr sur le back-office l'équivalent de, parce que moi je veux minter d'abord le token de base, le CLFI, donc je vais envoyer 220 euros de CLFI. Donc pour l'instant, j'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, faire un déposit ici en CLFI. Le top-up en USDT, c'est pour ceux qui veulent payer leur licence en USDT. Okay Maintenant, sur le déposit en CLFI, puisque moi j'ai déjà la licence à 110, ben, il me faut déposer du CLFI, qui est le token du, euh, de base. Hein avant la licence, avant, pardon, la fusion avec Zenicoin. Pour l'instant, le Zenicoin, on le garde toujours, on le mine toujours, c'est toujours d'actualité, on l'a toujours dans le back-office, mais la fusion, ils vont migrer avec le CLFI, ça va faire un super token. Okay Donc, ces deux tokens-là. Donc, pour l'instant, je choisis CLFI. Maintenant, on me demande quel réseau. Si vous prenez ERC20, ça va vous coûter euh, 9-10 dollars en frais. Si vous prenez Matic, ça va coûter beaucoup moins cher. Matic, donc sur la, la, la blockchain Polygon, Matic 1. Hein Alors, en CLFI-D, ça vous laissez comme ça. Le minimum, c'est 30 CLFI. C'est le token. Hein et là, pour nous, euh, comment, comment est-ce qu'on va calculer, en fait, combien de CLFI on va vouloir euh, euh, envoyer ben, C'est simple. Comme vous avez droit à 220 euros. Et comme. Un CLFI actuellement, si je 1, ne me trompe pas, il est à 1,93. C'est ça aujourd'hui? Aujourd'hui, 1,93. Aujourd oui. Ok. Donc si un LFI, un CLFI est à 1,93, ok. Vous l'avez aussi sur, euh, au fait, vous l'avez aussi sur Bitmart hein, le CLFI. Hein. Mais moi, alors, pourquoi je vais voir sur Bitmart? Parce que sur Bitmart vous pouvez l'échanger en USDT. Il est là. Voilà. Le CLFI, il est à 1,93$, effectivement, aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce que je vais devoir faire ben, Je vais devoir convertir 220 euros en dollars déjà. OK Pour savoir combien en euros, combien de dollars je peux prendre de CLFI. OK Vous me suivez toujours là Donc je vais oui. chercher un convertisseur. C'est simple. Un convertisseur en, en euros dollar. Hein. Alors, convertisseur euro USD. Si vous suivez en même temps que moi, vous pouvez aussi de votre côté convertir. Alors, euh, c'est simple. Si vous prenez 220 euros, le maximum que vous pouvez charger sur cette licence, ça vous fait 237 dollars. OK Donc, vous pouvez acheter pour 237 dollars de CLFI. Donc, si moi je vais ici, buy. Je prends au prix du marché, je vais mettre 237 dollars et je devrais me retrouver avec quelques LFI. Alors, si je fais le calcul exact, 237 dollars divisé par 1,93, ça me fait 122,7 LFI, CLFI. Vous me suivez toujours Donc, si je prends pour 237 dollars de CLFI, j'aurai le quota maximum pour le mettre. Ici sur Kmall et commencer mon staking. Est-ce que c'est -ce est bon pour l'instant? Oui, hein, ça suit. C'est good? Ok. Donc, une fois que j'ai acheté mes CLFI sur l'Exchanger, moi je vous conseille Coinbay. Pourquoi? Parce que Coinbay, il a la possibilité d'envoyer en Matic. Ok. Les autres n'ont pas cette possibilité-là. Bitmart, c'est ERC20. Euh, L'autre, c'est ERC20 aussi. Comment ça s'appelle euh, LBank. Mais oui. sur Coinbase, voilà, sur Coinbase, vous avez du Matic. Donc, si vous êtes malin, allez sur Coinbase, achetez du CLFI parce que vous l'avez en sur le réseau Matic Polygon. Ça va vous coûter beaucoup moins cher en frais. Pas Coinbase, hein. pas Coinbase, attention. Non, pas, pas Coinbase. coinbase hein. Hein. CoinBay. Coin Bay. Ouais, CoinBay. Hein? C'est OTC t CoinBay. Alors, je vais, je vais essayer de, de vous montrer le site. Alors, une minute. Parce que, oui, effectivement, euh, on confond des fois avec CoinBase et tout ça. Non, ce pas CoinBase. Hein? C'est CoinBay. C'est K-O-I-N-B-A-Y. OK C'est là. OK voilà, vous l'avez là Alors moi, j'ai déjà que... créé mon compte, j'ai fait mon KYC, je peux acheter du CLFI. Et si vous allez ici sur Trade ou sur Market, il me semble, attendez, je vais vérifier. Oui, Jean-Jo, tu disais oui, parce qu'à coup, coup de 10 dollars de frais à chaque fois, ça va nous ça faire bonbon. Voilà, c'est pour ça que je dis, euh, allez sur Coinbase, achetez vos CLFI ça va vous coûter moins cher au niveau de la, la, la transaction, le transfert vers, euh, vers euh, euh, Kmall. Okay Donc ici, vous voyez le CLFI USDT, il s'échange à 1,92$. Donc, qu'est-ce que vous faites En plus, 52 millions de volume en 24 heures. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est carrément de la folie. On est 2 millions de communautés, c'est normal les amis, ça va bombarder. En plus, mmh. là, ici, si vous voulez donc hein, aller acheter vos CLFI, tout ça, vous les achetez là. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez euh, ensuite aller dans votre spot et faire votre retrait normalement. Hein. Bon, là, ça, 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 ça galère un peu parce que nous aussi, la connexion, ben, on, a, on a des problèmes avec le temps et tout. Donc, quand vous allez faire votre retrait de Coinbase vers Kmall, vous choisissez le... Euh, vous choisissez la, comment on appelle ça, le, le, la, la, la blockchain Matic hein, pour envoyer. D'accord? Donc yes. là, ici, je suis en spot account, je fais Withdraw. On va essayer d'aller voir est-ce qu'il va quand même me donner, parce que je n'ai pas de CLFI sur CoinBay actuellement, mais on va voir s'il me donne quand même. Ah, le voilà. OK, vous le voyez, je l'ai là. Donc si je fais, voilà, la chaîne qui, app... qui, qui, qui apparaît, c'est Matic. Donc, vous allez mettre votre adresse de retrait ici, c'est-à-dire l'adresse je reviens vite, les amis, donnez-moi une minute, l'adresse qui est là. Sur Kmall, ouais. Sur Kmall. Hein, vous allez dans Deposit CLFI, vous choisissez CLFI, la blockchain Matic, là vous laissez comme c'est, et là il vous donne le QR code et l'adresse. Vous copiez l'adresse. Une fois que j'ai copié, bah, je reviens sur CoinBay et une fois que je suis sur CoinBay, je vais la coller ici. Hop, good. Il va vous dire que vous êtes dans la bonne chaîne, Matic. L'adresse, c'est ça. Et combien de CLFI vous mettez ben, Là, ici, pour nous, c'est, on avait calculé, allez, 123 CLFI en fait. Hein Moi, en ai... Là, il me met un message en rouge parce que je n'en ai pas acheté. Mais si j'en avais acheté, j'en aurais 123. Il faut en acheter 123 pour pouvoir staker le maximum de votre licence. Une fois que vous, a... Pardon, une fois que vous avez fait ça, vous faites Withdraw et ça part. C'est good, je reviens vite sur Kmall maintenant. Et une fois que je suis là, eh bien, vous allez voir la transaction ici à droite qui va se, se, se mettre à jour une fois que le, les CLFI le sont, sont arrivés. Voilà, une fois que le dépôt sera fait. Pas de panique, ça met deux minutes. Je peux vous dire, moi je l'ai fait, c'est super ah, rapide. Pas deux heures. Hein. Ah non, c'est très rapide. Très très rapide. Une fois que vous avez fait ça, ensuite, il va falloir juste aller faire la suite, c'est-à-dire allocater, ou je ne sais pas comment on peut dire, euh, relier plutôt vos tokens CLFI à votre minteur. Et c'est là ici, Add Minting Utility Token. Il va vous demander quelle licence. Ben, vous prenez celle-là, la première. Il va vous demander combien de CLFI vous voulez mettre. Ben, mettez 100%. Donc ça fera 122, à peu près 123. Alors, sélectionnez combien de temps vous voulez le loquer, c'est-à-dire 12 mois, 24 mois ou le max. Le max, c'est 1054 jours. Hein ça rappelle la licence. Hein voilà. Moi, j'ai mis 12 mois, parce que je voulais d'abord voir, sur 12 mois, j'ai mis 100% de mes CLFI et j'ai cliqué Proceed. Une fois que tu fais ça, tu arrives ici, 24 heures après tes tokens vont commencer à se faire. Tes tokens vont commencer à apparaître. OK? Alors normalement, n'oubliez hein, pas, si vous allez sur Coinbase, prenez l'adresse de Kemol pour la mettre ici, pour faire votre retrait. De Coinbase, vous envoyez vers Kemol Est-ce que ça vous parle? Hein Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, Alors c'est vrai que ce n'est pas euh, évident. Oui, un petit détail aussi qui est important. Euh, lorsque vous arrivez sur la page, tu peux revenir juste en arrière, toi, sur la page de, des périodes que l'on peut choisir. Euh, oui, attends, parce que j'ai ma connexion à... A ça m'a déconnecté. Attends, deux minutes. Hein. Je vais, je vais mmh. revenir là-dessus. Je vais juste faire un truc. Voilà. Une minute. Parce que moi, je voulais te montrer un, un compte où j'ai fait déjà le, le staking. Mmh. Et comme ça, je vais vous montrer euh, en live euh, ce que ça donne. En gros, voilà ce que je voulais dire c'est que ce que tu as fait déjà, c'est bien, parce que tu n'as pas mis max. Pourquoi, ouais. pourquoi ne pas forcément mettre max Ce n'est pas en mettant max que vous allez gagner plus. Hein. Ça ne veut rien dire. Hein. Parce que max, c'est la durée. durée hein. C'est la durée, hein. c'est tout. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner plus. Max, pourquoi... c'est la durée. Pourquoi, ouais. du coup, mettre, par exemple, un an ou, euh, ou quelques mois, ça peut être avantageux. Imaginons que vous avez, vous avez approvisionné et que le, le CLFI explose, il monte. Bah, le but aussi, c'est que vous puissiez faire de l'argent. Donc y a, Vous aurez peut-être envie de retirer votre argent. Mais si vous mettez au maximum, eh bien vous ne pourrez, vous pourrez pas retirer cet argent. Parce que vous l'avez bloqué pendant une durée beaucoup plus longue. Vous voyez un petit tu, peu pourras, le, euh, tu le... pourras le retirer, Giorgio. Tu pourras quand même le retirer, mais tu auras une pénalité. Il voilà. te laisse quand même le choix de le retirer avant la fin de la période, mais ils ne te donneront pas euh, le nombre de tokens que tu devais avoir si tu avais laissé toute la période. Tu vois ce que je veux dire mm. Voilà. C'est ce qui est normal en fait. Alors voilà, moi, quand j'ai commencé mon mon, mon, mon de CLFI, vous voyez, il est là. Hein il, il, se met en, il se met en marche et ça, ça, et le, le, le comment dire, le dessin là, il va tourner. Hein donc, je peux déjà claim en fait, je peux déjà retirer. Vous voyez, j'ai déjà 0,11 CLFI R pour repurchase et CLFI W pour withdraw. Donc, je peux déjà retirer. Là, j'ai mis 115,8 CLFI parce que ben, moi, c'était mon premier test. Je n'avais pas vraiment calculé qu'il en fallait 122, mais je n'avais pas vraiment fait gaffe aussi aux, aux frais d'expédition. De, mais euh, vous, quand vous le faites, prenez 122 en fait. Hein, parce que vous avez 115, c'est 94,42%. Comment le back-office est vraiment bien fait C'est vraiment un cockpit d'avion, ce truc. C'est fou. Parce que vous avez tout le détail de votre staking. Hein. Si vous voulez rajouter des CLFI, vous pouvez rajouter encore, puisque le maximum, c'est 220 euros de CLFI. Hein. Si j'en avais encore, je peux rajouter et j'en aurais encore quelques-uns ici. Et là, mon minting serait complet. D'accord Voilà. Hein là, Giorgio, si je fais claim, par exemple, claim air, confirmation, est-ce que je veux vraiment récupérer Oui. Boom. Alors, we are processing your claim. Donc, je vais bientôt récupérer ça, il me semble, dans le wallet. OK mm. All right. Donc, ça, c'est vraiment top, les amis, parce que dès que vous avez l'occasion d'acheter cette licence à 39, Faites-le parce que vous avez une licence gratuite là pour euh, staker, commencer à staker. Et ce CLFI, ça va être le super token parce que lui il va mixer avec euh, Zenicon et donc tout ce qui est Zenicon, on va envoyer avec le super token et on va le fabriquer en plus encore. Ok euh, Voilà, je voulais vous montrer ça. Euh. Ah. Donc voilà. Un, euh... petit détail aussi, un petit détail aussi, généralement, oui, je... les, les, généralement les actifs, euh, par exemple, comme CLFI, à partir du moment où vous avez un actif qui atteint les, les 1 dollar, comme celui-ci, qu'on voit une, la progression qui est constante, euh, il n'est pas prêt de redescendre en dessous. Je vous le dis. Ah non, c'est clair. Et en plus, là, Georgio, tu vois à droite, là, tu vois, j'ai 209 euros K. Donc oui. j'ai mis sur la balance, là. Et j'ai 98% en CLFI. 1,54% en Euro qui reste, parce qu'il me reste 1,8 dollars, je crois, ou 1,5 mmh. et 0,10% en CLFI repurchase. Donc, si je vais see all vous avez le détail ici, en fait. Comment c'est bien fait, quoi, c'est fou. Vous avez les pourcentages ici. OK Voilà, j'ai 208, 209 euh, euros cas. Vous voulez mettre en, en. Comment on appelle ça Caché. En... Ah, comment... Oui, caché, voilà. Vous pouvez aussi tous vos chiffres hein, si vous voulez faire des, vous voulez pas montrer. Mais sinon, si vous faites Withdraw euh, », vous pouvez envoyer, par exemple, des CLFI à une autre personne. Tiens, Georges, c'est quoi ton ID On va tester. Alors, euh, je vais. Aller tu peux me le marquer faire... Juste pour faire un test. Donc là, ah, ben, si tu je... l'as trouvé. Sur le Cayman, le dashboard en haut. Profil. Là, ton ID. Oui, dans ton profil aussi. Alors, on peut référence. se faire des transferts internes, c'est-à-dire entre nous, on peut se passer des tokens, hein, comme on peut se passer de l'argent aussi, hein, parce que vous pouvez choisir des Eurocas. Tiens, je vais choisir EuroCA. Il non, me reste 1,80€. Hein. Alors, on va essayer. <laughs> tu m'as C'est okay. User ID. Hein. En Faites attention, ce n'est pas référence ID. Hein. Référence ID, c'est euh, en rapport avec le, le lien de parrainage. Ah oui, exact, bien vu. Moi, je pensais que c'était le C'est User ID qu'il faut prendre. Ouais. Idée utilisateur. Et toi c'est quoi Business Life FR, c'est ça Non, 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 c'est pas ça. Hein. C'est les chi le chiffres Telegram. Ah, c'est les... les chiffres. Je t'ai envoyé, oui, sur Telegram. Ok, on va faire un test et puis tu partageras toi de ton côté euh, le... la capture pour voir si ça fonctionne. Hein. On est en live encore une fois, les amis. Ah ben bah, tu vois, il te trouve. Hein voilà, c'est moi. Il te trouve automatiquement. Non, mais c'est <laughs> dingue, quoi. Regarde, j'ai juste, j'ai juste mis ton numéro. Bam, il, il t'a trouvé le générique. truc. Sélectionner. Alors, save user for faster transaction pour les prochaines fois. Euh, username, bah, je vais mettre Giorgio, comme ça je sais, je me rappelle. Alors, on va mettre un dollar. On va voir si ça passe. Alors, je vais mettre 100%. Mmh. On va voir si ça va passer. Est-ce qu'il n'y a pas un minimum? Ah non, c'est 10 euros qu'on ouais, déjà là, on est pas mal. Ça ne va pas passer. Alors, non, sinon, peut-être. Peut pas... Ouais, Mais en, tout cas, en, tout cas, fonction... en tout cas, ça marche. Parce qu'on voit que. Ouais, non, euh, c'est grave. Ça serait arrivé dans tous les cas. Ah, Peut-être sinon en CLFI. Attends, on va essayer. Je ne sais pas si j'en ai dans le balance. Non, je n'en ai pas aussi de CLFI. Bon, en tout cas, une prochaine fois, on vous fera ça en test live, les amis. Là, on a vraiment euh, un truc vraiment top. Alors, external withdraw, ça veut dire vous retirez en dehors soit des euros, soit des CLFI. Vous mettez l'adresse ici ou sinon vous cliquez le QR code. Hein Save l'adresse. Et euh... non, vous mettez l'adresse, pardon. L'adresse et le montant du retrait. Euh, et c'est parti. Vous, vous recevrez ça sur euh, votre wallet. Si vous avez un wallet ah oui. extérieur à, en CLFI, hein. par exemple, en Matic, attention, hein, toujours. Hein. Ouais. Yes un au petit jour. détail remonte au-dessus. N'ayez pas peur d'un hein, euroca lorsque vous allez, euh, quand vous développez votre, votre activité, que vous avez vos commissions sur la vente des produits. Euh, tiens, clique sur Euroca. Euroca, n'ayez pas peur, hein, c'est pas un truc. Il va, va falloir aller sur un exchange ou je sais pas quoi. Vous allez pouvoir, ouais, vous allez pouvoir retirer en fait vos commissions directement en USDT 20 Tu hein? un petit peu plus ah bas, ouais, tu, tu peux là. Voir, ouais. USDT 20 C'est fou, en fait, Euroca c'est la monnaie interne et il euh, y a la conversion en USDT 20 donc c'est le top quoi. Voilà. Les amis, vraiment. Il ouais, y a une commission vraiment, de 1,5% de... pour, les, pour les withdraws, mais ça, c'est. C'est normal. Voilà. Ouais. Mais au moins, euh, au moins, on a un système qui est rapide, qui fonctionne vite, et puis qui n'est pas là à la traîne. On a un back-office de fou. Quoi. Mm. Alors, tu disais par rapport au phone, par rapport aux licences, on peut payer par carte aussi, c'est vrai. Le téléphone, ouais, ok. Ça, ça, ça à partir du 13, dé, euh, 13 février. Les amis, on pourra commander vos. Nos... Des produits. Nos, nos, nos produits. Ouais. Alors, dans le minting, euh, je sais pas si j'ai, non, j'ai pas, puisque j'ai pas acheté de minting euh, dans CloudKey. Voilà, mais c'est mes CLFI en fait que je que je mint. Ah, vous avez vu, hein, j'ai retiré les purchases. Donc ici, il y a plus le vert en fait, hein, c'est que du bleu. Donc, c'est les CLFI withdraw. Hein voilà. Et en bas, normalement, tu as euh... la transaction qui est affichée. Elle est là, effectivement. Hop, moi j'avais rajouté 115,8 CLFI et j'ai retiré aujourd'hui 0,111. C'est vraiment nickel. Hein. C'est du, du grand art, on va dire. Hein. Ce back-office, c'est une tuerie. C'est une tuerie, les amis. Ouais. Ben voilà, que dire de ouais, plus? A, a, nickel. Pour le moment, il y a rien. il ouais, y a rien de plus. Hein. Pour le moment okay. pour l'instant hein, pour l'instant c'est ça que vous devez faire hein, le, Au minimum déjà soyez déjà le CLFI et le staking ce n'est pas obligé de le faire maintenant mais sachez que si vous avez la licence à 110 qui est offerte utilisez le staking vite parce que vous vous perdez du temps hein, vous savez par rapport à par rapport à ça là ce qui est marqué ici sur euh, comment on appelle ça le, le halving de, de, des licences hein. Vous savez, la, difficulté euh... de manching, ouais. Ouais, la difficulté de minting. la difficulté de minting. Donc, euh, ça serait dommage de perdre euh, 6.7. Alors, pour l'instant, dans le back-office, vous n'allez pas voir 6.7. La semaine prochaine, il y a un réajustement, une update qui doit se passer. Parce que pour l'instant, vous voyez 6.1. Euh, C'est ce que j'avais vu moi dans. Où j'avais vu ça Dans la licence euh, cloud. J'étais à 6.1 alors qu'ils ben, vont tout réajuster à 6.7 pour mmh. démarrer vraiment hein, la semaine prochaine. quoi. Voilà. Hein. Est-ce que alors je vais vite revenir dessus ça aussi, Giorgio, vite fait pour tout le monde que ce soit vraiment bien acquis par tout le monde euh, le, pro -so le protocole de meeting, ok mm -hmm. Donc les amis, juste ça euh, pour bien bien se rappeler, bien comprendre ça en fait. Hein? Euh, Oups, là, voilà. Euh, le protocole de minting, en fait, hein, comme on vient de le voir là avec C les CLFI, eh bien là, moi, j'ai minté déjà le CLFI qui est le, le super token, en fait. OK Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va migrer sous 60 jours maxi avec le Zenitcoin. Donc, vous avez du Zenitcoin Très bien. Vous allez pouvoir le bouger en super token. Vous avez du CLFI ça, c'est pour ceux qui étaient dans, dans LFI, hein, la compagnie LFI. Très bien, vous allez pouvoir euh, migrer vers le super-token aussi. L'union de ces deux-là fait le super-token, en fait. Et ce super-token, c'est le token base. C'est clair Token de l'écosystème, comme c'est marqué ici. Comme on a dit, chaque licence vous donne un montant maximum pour le token base. La licence à 110 vous donne 220. C'est toujours x2. La licence à 330 euros vous donne 660. La licence à 550 vous donne 1100. Hein, la licence à 1100 euros vous donne 2200. C'est toujours x2 pour le token de base et x1 pour le token projet. Donc ça veut dire que pour ici, 110, ben, c'est 110 euros en token projet. Alors, est-ce que vous avez du CD, est-ce que vous avez du VU, est-ce que vous avez du Nomo, est-ce que vous avez du NRT ou du Five Rings Je pense que oui. Eh bien, vous avez juste à prendre vos tokens à hauteur de 110 euros de la valeur de tous vos tokens projets et de les rajouter sur la, sur la machine que vous avez. Et là, vous allez fabriquer encore plus de ces tokens, vous allez minter selon le tableau hybride. Hein, le protocole hybride de minting. Avant, avec Zénith, Saphir, on avait juste un euh, hub qui mint un projet. Maintenant, on a une licence qui mint plusieurs projets à la fois. C'est là l'évolution. Plus, en parallèle, qui mint le super token, c'est-à-dire vous mintez deux projets. Un, on appelle ça le dual minting, c'est exactement ça, c'est-à-dire avec deux euh, euh, de deux projets en même temps, en même temps le NFT, en même temps le super-token. OK À chaque fois qu'on va faire du minting, ça sera toujours selon ce protocole-là, c'est ça. Hein Alors je répète, pour ceux qui ont des Zenicon ou des mintings du Zenic qui continuent à minter leurs Zenicon, vous continuez à garder vos Zenicon, ça va valoir bientôt une belle, une belle somme d'argent, je pense, pour la plupart d'entre nous. Ne pas vendre vos enicoins. Alors, on dit que c'est vrai que pour Kantwise, pour la licence de trading, on peut l'acheter avec les enicoins. Chacun voit comme il veut, mais moi, je ne vais pas prendre mes enicoins pour acheter la licence CantWise, parce que je vais garder mes enicoins. Hein je préfère. Après, ça, ça regarde que moi. Chacun fait comme il veut. C'est hein. Quantwise, QuantWise qui va récupérer vos Enic et qui vont. Ouais. <laughs> c'est exactement ça, Giorgio. Hein alors, pour la licence Kantwise, n'oubliez pas, il y a une promotion qui va démarrer le 15 février qui vous donne le, la licence à vie pour le paiement d'une licence à l'année. C'est-à-dire que vous payez à l'année, une fois l'année, et on vous donne à vie. Ça, c'est top. Kantwise okay? devrait arriver euh, très prochainement aussi dans le back-office. Il y a un update qui va se faire ce week-end, je crois. Et ça va, ça va apparaître quelque part. Je ne sais pas si c'est dans Kmall, je pense aussi, oui. Mais voilà, il y aura des news là-dedans. Hein. OK, bon, ben là, mon minting du CLFA, il continue, il continue, il continue à minter. Euh, bon, je, vais, je vais récolter de temps en temps. Ben, c'est vraiment simple, en fait. Le système est beaucoup plus simple que dans Sapphire, vous avez vu, euh, par rapport à Sapphire, par rapport à, à l'écosystème, au back-office. Hein. Alors maintenant, je vais juste terminer une. Avec ça, Giorgio, et puis je voir si tu veux rajouter quelque chose. Quand vous allez dans votre back-office Saphir, vous avez, comme tu as dit au départ, Giorgio, hein, peut-être encore des euros, vous avez peut-être des Avinok NFT, vous avez peut-être des coupons, vous avez peut-être des I Love Saphir tokens. Alors, sachez une chose le I Love Saphir, les NFT, tout ça, Avinok, tout ça, ça ne permet pas d'acheter des licences. Le seul token pour acheter des licences, c'est Cantwise, c'est le Zenith Coin. Ensuite, les licences, on les achète comme on l'a vu là, comme j'ai fait mon exemple avec ma carte Visa euh, ou carte Amex, il me semble, ça, la Amex, ça passe aussi, il faudrait tester. Et la Mastercard. Mais sinon, on peut faire aussi en USDT. Hein, C'est-à-dire qu'il faut charger euh, votre, votre top-up en USDT. Hein, le, le, le wallet. OK. Alors, maintenant, par rapport à Saphir, il faut tout transférer sur Nomo. Alors, si vous avez votre Nomo. Euh, connecté okay, à votre compte Saphir, ben, allez dans le compte Saphir, reloguez-vous dans votre Saphir, le back-office, l'ancien Saphir.com, et là vous allez avoir Withdraw All. Vous allez devoir connecter, ou, ou si vous l'avez déjà fait, connecter votre wallet Nomo, votre application Nomo. Et faites le retrait. Et tout arrivera dans. Euh, ah, c'est déjà retiré, Hiti, excellent. Et normalement, moi je n'ai pas encore fait, mais normalement tout arrivera dans le wallet Nomo. Alors Eurocoin, ça arrive en Eurocoin. Et une fois que vous avez l'Eurocoin dans Nomo, si vous avez un balance, par exemple, vous avez encore des commissions, eh bien ça se, ça s'enverra en fait directement sur euh, Kemol. Ok Et à l'intérieur de Kmall, vous allez pouvoir euh, utiliser. Voilà. Pour ce qui est de l'Avinok, ben, ça ira en Avinok, tout ça. N'oubliez pas aussi, les amis, je change vite de sujet, mais n'oubliez pas le supersonic avec l'Avinoc. Vous pouvez, euh, si vous n'avez pas acheté d'autres Avinoc quelque part euh, sur les échanges, ben vous pouvez utiliser ceux que vous avez mis déjà en staking hein, pour les mettre dans le, dans le supersonic. Ça, on, on refera un autre, une autre workshop par rapport à ça. Hein.